avait Sirsou, il va voir la bonne mère. Hein. Et ah voilà. Ouais. Ah, c'est comment ça, à Lourdes, on va voir cette Thérèse. Et bien ici, on va voir la bonne mère. Hein. Et voilà. J'ai bien réfléchi à mi-parcours. On va plutôt prier Sainte Bernadette sous les roues. Sainte Thérèse, on verra plus tard au sommet. Mais... Oh, bonne mère, on est tombé. Tout est bon. Tout est bon pour respirer. Alors... Et comme vous pouvez le lire derrière moi, bonne année à toutes, bonne année à tous. Une année qui débute par ce déplacement ici au mythique Stade Vélodrome de Marseille pour la première composition 2021 de Michel Derzakarian. Alors, la voici pour affronter l'OM. Donc dans le but, Jonas Omlin. Sur les côtés, en défense, Mihailo Ristić à gauche, Junior Sambia à droite. Daniel Congré sera associé dans l'axe à Nicolas Cosa. Quatre défenseurs donc. Et de fait, il y aura trois milieux de terrain, Joris Chotard, Florent Mollet et Jordan Ferry. Trois hommes en pointe, Gaëtan Laborde, Andy Delors et Ilok Youn. Voilà le 11 de départ du MHSC contre l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi et en direct sur le Facebook Live et tous les supports sociaux du MHSC. 21h, à tout à l'heure. Aussi que le parcours du MHSC à l'extérieur sera calqué sur le précédent en 2020. Nos Montpellierains sont bien en place. Je vous rappellerai quand j'en aurai l'occasion le 11 de départ quand même parce qu'ils sont à l'attaque en ce moment avec Mihailo Ristić. Nous faisons bonne figure en ce début de partie. La 11e minute, je salue encore une fois car c'est un match entre potentiels européens. L'ambition des Marseillais est clairement affichée. Celle des Montpellierains, ma foi, l'est aussi avec de solides arguments pour atteindre l'objectif, le Graal. Mais pour cela, il va falloir entre autres... passer l'obstacle marseillais. Nous revenons dans le camp marseillais. Ah, je pense qu'on a autant de moyens de marquer que les Marseillais. C'est clair, net et précis. Vraiment, on a vraiment des occasions, de belles séquences offensives. Bon, il faut simplement reconnaître que les Marseillais aussi. Qui va marquer le premier ?
Le ballon est intercepté par Mollet, profitable à Youn qui va ouvrir magnifiquement pour Andy Delors. Andy va rentrer à la surface de réparation. Allez Andy, un petit peu de tir. Aïe 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 aïe, j'ai cru. Mais nous sommes là, vous voyez qu'on est à l'affût. On est sous la branche, on attend. On attend la proie. Et ça va claquer. Ça va claquer le magnifiquement. Attention, Florian Thauvin qui va s'entrer devant le but. La tête piquée, c'est le but. Et voilà, c'est l'imparable but. C'est l'imparable but pour l'équipe de Marseille. Ce centre impeccable. Ce centre impeccable de Florian Thauvin. Piqué dans l'axe, non, la talonnade pour Youn. Allez, le centre de Youn, il est pas mal, la tête piquée. Ah, quelle occasion. Ah, quelle occasion. Je m'en arrache les cheveux. Quelle occasion, mes amis. Ce centre de Youn, d'aller 6 mètres, la tête à bout portant d'Andy Delors. Comment a-t-il pu la mettre à côté? C'est pas possible. De mener. Oui, on fait un assez bon premier mi-temps, on a des occasions. Ouais. Faut juste les mettre au fond. Après, voilà, on prend un but fiché parce que c'est un centre. Et... Ouais. On le savait, mais il faut continuer comme ça et on va essayer de revenir au score. Ça vous arrive malheureusement de prendre des buts alors que vous avez des occasions. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, ça pèse derrière. Il faut vraiment trouver cet équilibre-là. Ouais, si on met pas au fond, on sait qu'on peut être puni derrière. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut revenir au score et essayer de gagner le match. Mandanda cherche et trouve Nagatomo à la limite du hors-jeu. C'est bien joué ça. Cette feinte le passe, tir croisé, le but. L'égalisation de Mollet. L'égalisation de Florent Mollet. Un tir croisé, imparable, magnifique but de Florent Mollet. Son troisième but de la saison. Oh, quelle belle fête. Le corps d'Andy Delors qui a laissé filer à l'entrée de la surface de réparation. Florent Mollet, le but égalisateur, chers amis, à la 52e minute. En récupérant une fois de plus le ballon, le centre de Junior en premier poteau. Oh là là, quelle occasion! Quelle occasion pour Montpellier! Ce centre de Junior Sambia, il y avait la borde et Mollet quasiment dans les 6 mètres de Mandanda. Nous dominons, mes amis, nous dominons à l'instant cette partie à la 58e minute en cours. Ah, ce but a totalement galvanisé l'équipe du MHSC, vraiment, qui récupère un nombre incroyable de ballons au milieu de terrain. Nous étouffons à l'instant les Marseillais. Aurons-nous physiquement assez de gaz pour maintenir cette pression? Si on a la traîne à la surface de réparation, Payet va frapper, et le but. Oh, c'est pas vrai. Le tir croisé imparable. Omblin est parti en retard. Jonas Omblin est parti en retard. 79e, 80e minute. 80e minute, Dimitri Payet pour Marseille. Oh là là, quel coup de massue sur la tête. Notre comportement collectif mériterait meilleure issue dans ce match. Et Valère Germain qui marque le troisième but. Oh là là, celui-là est fabuleux. Et celui-là va nous faire très très mal. Celui-là va nous faire très très mal. Comment tu l'analyses, toi? Non, je pense de la réussite, tout simplement. Ouais. Même en première mi-temps, on a beaucoup d'occasions. Bon, eux aussi, mais je pense moins dangereux que nous. En deuxième, on égalise en début, on est bien, on a le ballon, on se crée encore des occasions. Et après, leurs entrants ramènent un peu de fraîcheur et ils arrivent à bien jouer les coups, mieux que nous. Ouais. Et malheureusement, ce deuxième but nous fait énormément mal. Et après, le troisième, il est anecdotique. Mais voilà, je pense qu'on a manqué de réussite. Je pense qu'on fait encore du beau jeu, on a le ballon, on a les opportunités, mais on prend beaucoup trop de buts. Ouais. On se livre et on veut essayer d'aller chercher la gagne. Et après, comme je l'ai dit, leurs entrants leur ont fait du bien.